en ligne sur France 6, bien entendu. Le 31, en la porte du 30, il s'agit de Haute-Mer, présenté par Thierry Cyprès, Einfin, un jeune étalon, Masterstroke, lui-même issu de Mansoul, et Melika, elle-même, sœur de Galiléo et Sisters. Origine extraordinaire, donc, pour la lignée paternelle de Haute-Mer. En ce qui concerne la mer, c'est bord de mer, issu d'un étalon pour le moins confirmé, il s'agit de Alnamix. Alors ce n'est pas la souche fétiche de Thierry Cyprès, mais c'est une autre souche, celle qui lui vient de son père, Bernard, et qui lui a apporté de nombreux succès, notamment à travers Noirmoutier, qui, bien que par Subotica, fut un cheval de talent. Bon vainqueur à Auteuil à l'occasion du prix Xavier de Chevigny. Plus récemment, nous avons Chalutier, qui est un frère aîné de... un frère cadet, pardon, de la mer bord de mer. On va pouvoir marcher, qui est un frère donc et qui a gagné à Rochefort-sur-Loire, décidément, il prend donc de référence aujourd'hui. Allez, on marche donc avec la femelle de Masterstroke, qui est assez tôt, hein, le 3 février. Avons-nous des chevaux de la deuxième section? Si oui, qui se présente? Non, on n'a pas de suite, mais après. Le public est prêt, la caméra est prête. Laisse-la libre. Rache un peu ton rêve. Voilà. Pas dessus. Voilà, le premier cheval de la deuxième section, c'est le 42. Donc il est attendu sur le ring B. Pendant ce temps-là, on est toujours avec le numéro 31, qui présente un cheval imposant de Masterstroke. Donc sur le ring B, hein, les deux juges, Jean-Bertrand Balanda et Anthony Baudouin, attendent les chevaux, alors s'il vous plaît, approchez-vous.